Salut, aujourd'hui on va faire le petit point sous le tunnel. Voilà, on arrive maintenant presque la troisième semaine de septembre, donc automatiquement maintenant on va commencer vraiment à cultiver sous nos tunnels pour tous ceux qui ont de la chance d'avoir des tunnels. Vous pouvez faire la même chose avec des tunnels nantais, des petits arceaux en plastique. Attention, il faut vraiment bien l'attacher pour éviter qu'il s'envole, parce que là par exemple aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc faites attention si vous faites des petits tunnels nantais, il faut bien les attacher, c'est-à-dire le mieux c'est de les enterrer sur les côtés. Allez taper dans la barre de recherche tunnel nantais, vous tapez tunnel nantais le jardin de Rodolphe et vous verrez, hop, vous aurez comment créer un tunnel nantais que j'avais fait il y a déjà quelques années de ça, pour vous expliquer comment faire un beau petit tunnel nantais. Ça coûte pas cher du tout. Vous pouvez le faire avec des vraies tiges si vous voulez, ou alors avec des installations comme vous voulez, mais le mieux c'est quelque chose de pratique, vous enlevez, vous retirez et vous cassez rien. Allez, là on va faire le petit tour, on va faire le point déjà de ce que j'ai moi, hein, comme je vous ai dit maintenant c'est vraiment personnel, hein, ce que j'ai moi ici sous le tunnel, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais enlever, retirer ou pas, et puis on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vent, regardez, on va aller voir. Mettre à entendre le vent et ça souffle. Alors le tunnel, voyez comment il se propose, comment il se compose, mon petit tunnel. Donc bon, c'est un petit, moi je l'appelle le tunnel chaud, hein, parce que là il fait très chaud, hein, voyez l'autre, bon là je l'ai fermé plus ou moins, donc je le ferme la nuit, hein, maintenant là c'est clair que la nuit je le ferme parce que je veux garder encore mes tomates dedans. Donc on va faire le point. Alors comme je vous ai toujours dit, hein, là ici c'est les tables où je fais, je réalise mes semis, mes boutures, les choses comme ça. Bon là maintenant on arrive en hiver donc c'est terminé. Hein, donc voilà. Et puis là de ce côté-là c'est la pleine terre. Bon alors il y a encore beaucoup de boulot, hein, sur ce sol. Énormément de boulot parce qu'il était très tassé, puis il était moche. Hein. Une terre complètement dégueulasse. Mais on va y arriver tout doucement, vous voyez, en faisant du compost, des choses comme ça. Bon, bah là, on avait mis la petite courgette ensemble. Hein, donc elle pousse. Elle pousse bien, pas de maladie, rien du tout, elle pousse très très bien. Donc elle, pour l'instant, on va la laisser. Ce qu'on va refaire, c'est toute la bordure là. Alors je vais retirer les planches, hein, pour faire ma dalle. Et là, on va refaire toute la bordure des fraisiers. Mais comme je vous ai dit, cette année, comme ils étaient un peu perturbés, pas de stolons. Donc on va certainement les diviser. Bon, on va voir. Bon, là, il va falloir que je les enlève. À chaque fois, je vous le dis, mais ça, je vais les enlever. Donc ça, je vais retirer ça. Alors, bon... Poivron, un seul, il pousse, et aubergine. Donc elle, ça va, elle pousse aussi, on la laisse pour l'instant. Alors, on avait vu aussi la petite courgette là. Alors, hop, on va regarder un truc. Voilà, c'est ce qui me semblait. Et... ça, c'était les fleurs femelles. Il y en avait, maintenant il reste les fleurs mâles et les fleurs femelles, hop, ils tombent. Bon, comme ça on verra bien. On avait dit, hein, qu'on laisserait ça en attendant. Bon, on va voir. On va laisser encore, ça me prend. Voilà, ça c'est mon petit couvercle. C'est mon machin de couvercle. On retire. Voilà. Bon, on va lui laisser encore un peu de temps parce que pour l'instant je ne vais pas encore trop m'en occuper. Bon, les tomates. Bon, ça c'est bobo. On va. Bon, je vais attendre encore un peu. Parce que... voilà, là j'ai préparé mon sol, on va faire... alors il fait encore chaud, on va regarder un petit peu la chaleur. Regardez, 25, il est... alors ce matin j'ai ouvert tard, et il fait 43, vous voyez. Par contre la nuit, vous voyez, 6 degrés. Vous voyez la différence, si je laissais fermer, donc je vous dis toujours, hein, toujours ouvrir. Hein. Vous voyez, 43 c'est énorme, hein. 43 pour les tomates, pour tout ce qu'il y a dedans, c'est pas bon du tout. Hein. Bon, vous voyez, même moi, je fais un peu de bêtises. Bon, là, j'ai déjà préparé. Donc là, ça va être mon carré. J'ai un petit peu de salade. J'ai récupéré, mais je les ai cassés un peu. Mais on va voir. Ça fait des conneries. Mais bon, on verra bien. Donc là, j'ai mon petit carré. Bon, là, je laisse mon petit citronnier. Je nettoierai ça un petit peu plus tard. Alors, par contre, j'ai des belles tomates. Alors, j'ai des belles tomates. Mais... voilà. Hop. Bon. Il y a des moments, vous voyez, il ne faut pas chercher à comprendre, on laisse comme ça, on voit, bon, ils veulent pousser, Bon, là, ça y est, ça se termine. Ça, il va falloir que je le nettoie. Hein, on va le nettoyer, tout ça. Et puis, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop... voilà, ils sont pas... voilà, c'est pas des grosses maladies, hein, c'est pas méchant. Bon, ce qui va se passer, c'est que si je laisse les tomates
Et ben ils vont faire des graines pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, hop, je change rien. De ce côté-là, hop, je mettrai mes tomates là-bas. Voilà, je changerai un petit peu. Parce que là, cette année, il y a beaucoup de tomates qui sont tombées par terre. Et je sais que l'année prochaine, je vais en avoir plein. Parce que toutes les petites tomates, voilà. Bon, là, on a les restants de tomates, donc on laisse. Pour l'instant, vous voyez, il y a encore du soleil, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais faire la mâche. Mais on verra bien. Parce qu'il fait encore quand même des... La nuit fait froid, donc normalement ça devrait le faire pour la mâche, mais il va falloir que j'ouvre, parce que sinon je vais avoir des petits soucis. Regardez, toujours Titi, il est là. Là j'ai mis mes petites tomates de côté, pour faire mes petites graines, hein. J'avais pas besoin de tout. Hein, j'avais pas besoin de tout, et puis voilà. Donc ce qu'on va faire, hein, vous voyez, on fait le point, donc vous notez tout ce que vous avez besoin. Dans vos tunnels, hein, vous, comme d'habitude, hein, vous dites, c'est là, il me reste ça, il me fait ci, il me fait ça. Donc moi, voilà comment moi je fais, je vais faire. Je prends mon temps. Hein, je prends mon temps. Voilà. J'essaye par rapport à, s'il y a du mauvais temps, tout ça, je travaille sous le tunnel ou pas. Je vais y aller tranquille. Donc je sais que j'ai ça à faire. Donc je note. Hein, je note ce que j'ai à faire. Bon, il va falloir que je prévoie ça. Bon, moi je vais faire que de la mâche. J'ai encore un peu de salade, mais surtout de la mâche. Je referai certainement une autre plantation de salade au mois d'octobre. Donc d'ici, allez, on va dire allez, 15 jours peut-être. Peut-être, on verra bien. Mais c'est vrai que la mâche me dit, encore chaud quand même. Il annonce quand même du 20 degrés, donc sous le tunnel, ça va être beaucoup plus. Donc voilà, ça m'embête un petit peu, mais bon. J'avais ça. J'avais ça hein, qu'on avait fait, donc ça, je pourrais faire un petit rang. Bah, il pousse quand même, bon, on va le faire quand même. Vous voyez, des fois, c'est pas facile parce que la mâche, elle aime bien le. Elle aime bien avoir froid quand même. Alors, pas trop froid non plus, mais là, vous voyez, quand je vois 43 degrés, là, il fait 25, 26, là, malgré que j'ai ouvert un petit peu, mais je peux pas trop ouvrir non plus. Pourquoi je pourrais ouvrir un peu plus hein, si je veux. Mais bon, voilà, des fois, faut trouver le juste milieu. Il faut savoir que la mâche aime bien le froid. Donc là, il fait 25, c'est trop pour la mâche. Il faudrait qu'il fasse allez, 15, 18, pas plus de 18. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment je vais planter ça. Et je vais attendre encore un petit peu pour faire de la semis. Hein. Vous voyez, j'avais dans la poche, donc j'avais acheté ça. Alors, le problème en plus, c'était juste bon jusqu'en 2022. Donc vous voyez, bon, normalement c'est bon encore, mais ça, j'avais acheté ça à Lidl. C'est juste pour vous montrer, mais elle est bonne celle-ci, c'est la même qu'il y a dans les petites alvéoles, et elle est très bonne. Et puis voilà, l'année dernière, j'avais fait ça et elle avait attrapé l'odium, parce qu'il faisait un peu chaud. Et bon voilà, on va voir. Donc voilà le petit tour sous le tunnel, vous voyez, vous prévoyez bien tout votre petit truc, comme moi. Hein, vous faites ça, vous faites l'inventaire de tout. Et puis bah, les tomates, voilà, normalement on devrait presque les enlever, mais... Il y a encore des tomates, donc comme on n'a pas eu beaucoup de tomates au mois d'août, on a un peu de mal à les enlever. Donc à voir. Donc voyez, ouais, faites bien l'inventaire, bien préparé. Vous nettoyez vos planches. Alors je sais qu'il y a des anciens, les planches sont déjà toutes prêtes à chaque fois. Bon, moi j'aime bien, voilà, je ne veux pas être stressé par tout ça. Donc voilà comment je fais. Bon, bah dites-moi dans les commentaires comment vous allez préparer vos tunnels. C'est vrai qu'on a de la chance hein, d'avoir des tunnels, surtout pour faire de la culture en hiver. C'est un des avantages qu'on a. Et voilà. Prévoyez aussi les petits tunnels nantais. Ce petit tunnel nantais, vous voyez, dehors, il y a beaucoup de vent. Le fait d'avoir un petit tunnel nantais, ça casse un peu ce vent-là. Vous fermez sur les côtés, vous ouvrez sur les bouts, on va dire, les portes, on peut dire. Là, le vent circule quand même, mais ça protège quand même. Voilà. Allez voir la petite vidéo sur comment réaliser un tunnel nantais. Tapez tunnel nantais, le jardin de Rodolphe. Hein, vous mettez bien le jardin de Rodolphe, sinon vous allez en avoir plein d'autres. Et puis celle-ci, je vous montre par rapport à mon jardin. Allez, merci, à la prochaine. N'hésitez pas à me poser des questions. Et n'oubliez pas, hein, je vous l'avais dit, j'allais vous préparer une petite surprise, donc les membres. Si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin dans le domaine du jardin et surtout d'être encore plus près de moi, c'est-à-dire d'avoir une vraie communauté, et bien allez voir, vous voyez, il y a le petit bouton rejoindre. Vous avez deux catégories. Choisissez celle qui vous convient. Pour la dernière catégorie, et là on fait vraiment des vidéos tous ensemble, et là on est vraiment des membres d'une bonne communauté, et je vais vous apprendre vraiment à 100%, vraiment 100%, encore plus que les petites vidéos que je vous prépare là, vraiment détail par détail, et vraiment plus un peu comme votre coach pour vous apprendre vraiment à 100% à réussir vos légumes et apprendre, voilà,
Je n'ai pas non plus esclave, vous voyez comment moi je travaille, mais je réussis quand même à avoir beaucoup de légumes. Et puis voilà, je vais vous apprendre beaucoup de choses, mais vraiment en membre. Et j'ai déjà réalisé quelques petites vidéos pour vous, les membres. Et puis bah, n'hésitez pas, rejoindre, et ça donne un coup de main aussi à la chaîne. Allez, à la prochaine. Salut, merci.